Bon retour, je suis Ignatius Anno. Direction l'Ouganda, pays d'Afrique de l'Est, où le café n'a pas affiché une performance impressionnante en janvier. Les exportations de café du pays ont légèrement reculé par rapport au même mois l'année dernière. Le régulateur n'a pas expliqué les raisons de la chute. Brice Kinou et Ronald Kato pour les détails. L'Ouganda a exporté 395 097 kg de café en janvier, selon un rapport cité par Reuters. Ce chiffre est légèrement inférieur aux 401 930 sacs expédiés au cours du même mois de l'an dernier. Le régulateur public, l'Uganda Coffee Development Authority, qui a publié le rapport, n'a pas donné de raison pour cette légère baisse. Le pays d'Afrique de l'Est est le premier exportateur africain de haricots. Les revenus de la récolte constituent l'une des principales sources de devises étrangères de l'Ouganda. En octobre de l'année dernière, les planteurs ougandais de café ont commencé leur première récolte de la campagne avec l'espoir d'une récolte exceptionnelle pour le premier exportateur africain de café. La semaine dernière, l'autorité caféière du pays d'Afrique de l'Est a déclaré que la production de la campagne 2018-2019 pourrait faire un bond de 11% pour atteindre 5,1 millions de sacs de 60 kg en raison des meilleures conditions de culture. Et c'est tout pour Business Africa. Vous pouvez réagir via nos différents réseaux sociaux. Suivez-moi sur Twitter, Ignatius Anno. Rendez-vous également sur www.africanews.com pour l'ensemble du programme et plus encore. Merci, au revoir.